Je vais parler de l'autorité. Luc 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Je vous donne. Quand il dit je vous donne, Dieu, Jésus-Christ s'adresse à l'église que nous sommes. Amen. Amen. Il dit maintenant, je vous donne le pouvoir. Parce que moi, Christ, j'ai vaincu le diable. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu ses œuvres. Comme j'ai vaincu de ses œuvres et que tu as cru à moi, tiens ce pouvoir, exerce-le. Alléluia. Dis amen. Amen. Vous comprenez? Ouais. Il dit, je vous donne le pouvoir à mon nom. Marche. Ça dit, il faut marcher. Vous voyez qu'à faire, vous avez peur. Vous voyez la grande mère. Je suis convaincu que c'est la grande mère. Oh. Tu réveilles, vous réveillez toute la maison. Les bébés qui doivent fréquenter le lendemain, ils viennent faire le feu. Le feu. Amen. Amen. Je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance du diable. Il dit toute la puissance du diable, rien ne pourra vous nuire, rien ne peut te nuire, ne pourra te nuire. Il t'a donné le pouvoir sur eux. Il t'a donné le pouvoir sur la sorcellerie qui met ta vie. Il t'a donné le pouvoir sur cette maladie mystique qui met ta vie. La seule chose, lève-toi et exerce ton autorité. Il y a ce que le prophète peut faire. Ok. Il y a ce que toi aussi tu peux faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu as cru en Jésus. Tu as ce pouvoir sur le diable. C'est vrai que moi, Dieu fait de moi, n'est-ce pas, une spécialité avec moi. Mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Si vous avez cru en Jésus, vous êtes à mesure de chasser les démons. C'est vrai qu'il y a les dimensions de problèmes que toi-même tu ne crois pas. Ça c'est clair. Amen. Mais dans un premier temps, il faut croire que tu es au-dessus du diable. Amen. Comprenez? N'ayez pas peur de ce que le diable vous dit. Retirez-vous la promesse de Dieu. Amen. Parce que le diable c'est un menteur, il va vous parler. Il a dit, il va mettre la parole de Dieu en doute. Il dit à Adam. Et à elle plutôt, est-ce que tu as vraiment dit que vous allez manger? Elle dit oui. Il dit, mais Dieu ment. C'est ce qu'il te dit. Il te dit, mais toi tu peux rien. Toi comme ça, tu peux chasser un démon. Toi avant, tu faisais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis elle commence à te culpabiliser. Montrer tout ton passé. Tu as dit, moi-même j'ai cherché Marie d'Ozoa. Est-ce que moi-même je peux chasser un démon? Moi-même, cher mari des gens, des moments m'a vu. Non, amen. Amen. Dieu, quand vous donnez au Seigneur, il jette vos péchés dans la mer d'oubli. Amen. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui sont justes. Il est venu pour les pécheurs que nous sommes. Amen. Et puis il nous justifie. C'est ça que la Bible déclare que nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Amen. Tous sont péchés. Mais ne permets pas au diable de mettre les paroles de Dieu en doute. Tu vas te faire croire que non, tu peux pas. Si, tu peux. On dit, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Tu peux tout par celui qui te fortifie. C'est Christ qui te fortifie. Tu peux tout. Aucun démon ne peut résister à ta parole. Aucun démon. Tu es arrivé à lui. Tu es arrivé à lui. Lève-toi, exerce ton autorité. Amen. Tu n'exerces pas l'autorité, c'est lui qui va t'écraser. Parce que le pouvoir, c'est l'autorité que Dieu donne. Il te donne. Amen. Oh, lui, il t'envie. Le diable t'envie. Il sait que vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes même pas même chose d'ailleurs. Parce que tu es maître sur lui. Amen. Amen. Tu es maître sur lui. Je suis allé à Gros, dans un village. Vous avez vu le dragon que j'ai battu dans la terre mitière. Ils m'ont fait dire, parce que l'un dragon, serpent dragon, bouffait le sang des gens, qui endeuillait des gens dans la famille. Qu'on m'a fait asseoir dans le village pour dire de venir délivrer le village. Mais en même temps, on fait une réunion. Parce que quand je viens dans le village, on fait des réunions. On me dit, écoute, dans ce village, ok, bien, tu vois la tombe là, c'est pour un prêtre, c'était devant l'église, devant l'église. Qu'elle a fait sa première messe, bénissons le Seigneur notre Dieu. Amen. Elle est tombée.
et l'ont enterré ici. Tu as compris? Prête. Voici sa tombe. Je leur ai dit, écoutez, vos conneries, arrêtez ça. Vos conneries, arrêtez ça. Au nom de Jésus. Amen. Arrêtez ça. Amen. Vos histoires, tant. Je m'en fous. Il n'a qu'à manger container de sorte. De prêtre, il n'a qu'à manger container de pasteur. Moi, il ne mangera pas. Amen. Moi, Amen. Il ne mangera pas. Amen. Oh, le diable va vous intimider. Il va vous rencontrer des choses. Je leur ai dit, je suis venu abattre le serpent. Vous allez voir. Vous allez voir. Non, papa m'a dit, toi, papa m'a dit. On dit, vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. La promesse de Dieu est sur ma vie. Et je crois ça. Je crois cette promesse de Dieu. Et rien ne pourra me nuire. Je suis venu, le Seigneur m'a dit, j'ai prié toute une nuit, 10 heures le jour. Or, le serpent allait se loger dans une termitière. Dieu me donne une vision pour dire, le serpent est prêt à t'attaquer. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, c'était le jour où le serpent devait m'abattre. Dans le village, là, c'est un petit village, mais très dangereux. C'est très dangereux. C'est pas n'importe qui vient dire Jésus est bon là-bas. Si tu t'amusais ça, il te tue. Mais moi, j'ai mon autorité. Jésus-Christ m'a donné ce pouvoir. Amen. Aucun dragon ne peut me détruire. Amen. Aucun sorcier ne peut me détruire. Amen. Luc 10, verset 10. Rien ne pourra me nuire. Amen. Je pars. Sur cette terre appartient à mon Père que Dieu. Amen. Je pars en conquête de cette terre. Ramenez ça à Dieu. Amen. Quand je prie, Dieu me donne une vision. Pour ceux qui ont regardé, moi-même, j'ai même plus, je me trouvais, je pars à la terre. Quand j'ai versé lui, j'ai senti que le serpent devait me prendre. J'ai sauté, je suis descendu. Quand je dirigeais l'opération en tant qu'un maréchal, j'ai dit qu'il est là, il est ici. Pas. On a tué le serpent, c'est fini. Ceux qui étaient là-bas de tous les dragons sont tombés dans le village. Amen. J'ai envoyé, il dit, voici vos serpents. Amen. Allez, voici le YouTube, le prophète Rasson tue un dragon à gros. Sachez le YouTube, cliquez, vous allez voir. Vis-à-vis, en plein jour, j'appare le serpent. Les gens m'ont dit, non, il ment, il ne pourra pas faire. Bébé. C'est ça, il dit, mais pourquoi vous ne montrez pas cette vidéo-là quand vous m'insultez? Pourquoi ne montrez pas ça? Vous prenez d'autres vidéos, pourquoi ne montrez pas ça? Ça là, montrez ça. Amen. Amen. Depuis quand un diable va venir battre un dragon devant tous les sorciers du village, ils m'ont regardé comme ça. Toi, tu n'es pas même chez lui, oui, on n'est pas pareil. Lui, il ne sait pas comment il marchait avec Jésus. Sorcier l'a bouffé, sauce grecque. Elle foutu banane, lui, il a bien mangé. Moi, tu dis, il ne mangera pas. Frère, le diable ne mangera pas. Amen. Il ne pourra pas t'avoir. Amen. Parce que la parole de Dieu est faite pour toi. Elle est faite pour se réaliser dans ta vie. Exerce ton autorité. Amen. Alléluia. Exerce ton autorité. Je sors, je vais à Grand Laou, j'apprends une croisade dans un village qu'on appelle Lubilassi. On traverse les Bounous, on s'en va de l'autre côté dans Pirogue. Il y a un petit sorcier. Il dit que lui, il est sorcier. Que lui, il va me lancer un défi. Je lui ai dit, petit, je ne suis pas venu pour ça. Je ne suis pas venu pour ça. On m'a invité pour faire une croisade. On va prêcher Jésus. On va délivrer le village. Lui, il dit non. Que lui, c'est sorcier, il cherche. Lui, il est sorcier. Je dis, ah, c'est arrivé dans ça où. Tu dis, il dit, je vais commencer par lui. J'ai dit, bon, on n'a pas encore déposé le bagage. Toi, tu ne veux pas là. Moi, je ne suis pas venu faire par là. Il faut laisser. Ben, vous voyez, comprenez dans les villages. Les villages, ils m'ont dit, ah, on est qu'il est fort que le prophète. Donc, les jeunes ont commencé dans son coin. Puis, il a commencé, je ne sais pas s'il a un bicou tout coup. Oui, parce que là, tu ça les fatigue souvent. Hein. Et non. J'ai dit, bah, donc tout le monde est derrière lui, on acclame. Il dit, ah, c'est un spectacle qu'il veut. Dieu lui-même est un spectacle. Élie a convoqué les gens devant, au milieu du village. Et puis il a dit, bon, aujourd'hui, là, on va voir le Dieu qui va répondre par le feu. Amen. Amen. Invoquez Baal. Moi, je suis là, invoquez Baal. Amen. Amen. Et ils ont fini, Élie a prié. Le feu est descendu, les a tous tués. C'est ce que tu veux. Il dit, son fou les gens, que lui le sorcier, de me l'attraper, que lui va me tuer dans le village. Je l'ai dit, petit, ton coutoukou là, ça t'a trompé. Coutoukou, tu as bu,
te trompe. Il dit, lui, il est sorti, je ne sais pas que c'est de couteau. Voilà, lui, il va essayer 6 mois. Il dit, ah, ça arrive. Il dit, oui, il n'a qu'à me positionner. Il dit, mais c'est pas là où il vient. Il dit, lui, il veut faire ça. Lui, il veut. J'ai dit, ok, ça va, ma fille. Ils sont partis. Viens me saluer au moins. Là, je suis content s'ils sont. Ils sont partis. Ils sont allés où? Dans la mer ou bien? Je connais le flan. Ils sont partis. Ils sont partis. Voilà Dieu. On acclame le Seigneur. Va t'asseoir. Ça, c'est le labour à toi. Quand il dit, c'est fini. Donne-toi. Chacun fait son travail. Amen. Le labour est bien du labour. C'est fini, les nettoyer. Amen. Donc, je le regarde. Le petit est chaud. Il est chaud. Il a un groupe. Nous, on est calme, on ne parle pas. Mais le groupe, là, il ne parle pas. Nous, on est d'affaires de Jésus. On me regarde. Je le regarde. Bon. Place-toi. Il est là. Il regarde le chien. Il prend les trucs. Il parle. Jette la poussière. Moi, je l'ai regardé. Je l'ai juste regardé comme ça. Je l'ai fixé. Puis, j'ai fait ma prière. Dès que nos regards se sont fixés, j'ai vu le petit a commencé à s'écrouler comme ça. Il saigne l'oreille, la bouche, boum. Je marchais sur lui, puis je suis allé chez mes tuteurs. Amen. Tu as cherché? Tout ce qui est derrière ces oreilles. Ah, il est mort, ils l'ont enterré. Là, on ne dévie pas Dieu. Attends, je l'ai fait quoi? Lui dit les sorciers. Moi, il me défie. Il cherche de Dieu, non? Il me défie. Il va voir si la puissance qui est à moi est plus supérieure que la puissance de la sorcellerie. Il a défié qui? Dieu. Alors, quand nous deux se regardons, on va se regarder. Mais regarde, on percé. Ce qui en moi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. N'ayez pas peur de la sorcellerie. Le diable dit des choses pour vous intimider. Il n'est rien face à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai marché, j'ai fait exprès, je suis allé marcher, puis j'ai traversé. J'ai dit, vous êtes témoin, je n'ai pas cherché par là. Je suis venu vous dire, Jésus est merveilleux. Lui, il a commencé à s'exhiber. Vous êtes témoin. Lui, il n'a rien fait. Le soir, ma croisade est remplie de monde. Je vais parler, dit, non, cours à ton Dieu est déjà fort pour ça. Non, cours à ton Dieu. Nous, on accepte Jésus-Christ ici. Ils sont acceptés. Amen. Amen. Le diable va vouloir vous effrayer, n'est-ce pas? Il va vous miroiter des choses dans le rêve. Il va vous faire croire que des choses. Mais la Bible dit, il te donne le pouvoir. Luc 10, verset 19. N'oublie pas ce verset. Amen. Alors, tu as le pouvoir. Il faut exercer ton autorité sur le diable. Je suis convaincu que le Seigneur va te délivrer cette nuit. Je suis convaincu que les choses vont tomber. Mais n'oublie pas une chose. Tu iras avec quelque chose. Le pouvoir de Dieu en toi. Jésus-Christ n'est même pas en dehors de ta vie, il est dans ta vie. Amen. Il sera avec toi partout. Amen. Dans ton entreprise, dans ton service, dans ta maison, amen, dans ta voiture, partout où tu passeras, il sera avec toi. Amen. Pour t'aider avec le royaume du diable. Amen. Que tu veuilles ou pas, tu auras des ennemis. Mais la Bible dit que Dieu écrasera tes ennemis. Alléluia. N'ayez pas peur. Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous fortifie. C'est ça qu'il faut croire. Que cette année, c'est fini pour les sorciers. Amen. La frayeur serait dans le temps. Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il arrive. Ne permettez pas au diable de posséder votre pensée. Ayez foi en Dieu. Dieu David croyait tellement à la puissance de Dieu. Il croyait tellement à l'autorité de Jésus-Christ, de Dieu, qu'il a regardé et dit, je sais, tu viens contre moi avec le javelot, les lances. Mais il y a une seule chose, c'est dire que c'est à l'Éternel qui appartient la victoire. Victoire. Tu m'as fait, mais c'est Dieu qui donne la victoire. Je suis petit de taille, mais c'est Dieu qui donne la victoire. Les gens, le prophète Rasso, les fétiches, les sorciers l'ont tabassé. Mais qui a gagné? Amen. Quand il y a pas là, on dit qui a gagné. On n'a pas dit qui a tabassé, qui a gagné. Qui a gagné? C'est la fin qui compte. Ce qui en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui en toi, comprenez ça, frère. Comprenez ça, frère.
Parce qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie est en train d'agir, le petit gym, la sorcellerie autour de vous. Mais attendez, croyez à cette promesse de Dieu. Même si vous êtes attaqué, ils vous feront la guerre. Jérémie le chapitre 1, le verset 19. Ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Oracle de l'Éternel. Oh, je suis toi attaqué, mon Seigneur. Parce que tu es bon. Le diable attaque les bonnes personnes. Tu as un avenir glorieux. Le diable n'attaque pas n'importe qui. Il attaque celui qui est important. Amen. Mais crois une seule chose, tu es enfant de Dieu. Et ça, personne ne pourra t'arracher ça. Non. On m'a bien saisi. Amen. C'est vrai que nous sommes en convention de délivrance. Mais vous devez comprendre que vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir de Christ en vous. Ce n'est pas pour faire une création forcément d'exercer ça sur vous. Vous avez ça en vous. L'Esprit de Dieu en vous, c'est une force. Vos enfants sont possédés, délivrez-le. Ta femme est possédée, délivre-la. J'ai un problème. Exerce ton autorité. Et puis d'ailleurs, tout ce qui arrive à un enfant de Dieu est un miracle délivré. Comment Dieu lui-même fait sortir Israël du pays de l'Égypte et le même Dieu fait traverser. Mais Israël devant la mer rouge. Mais Israël, la mer rouge représentait, n'est-ce pas, un miracle. Mais déguisé. Ceux qui pouvaient murmurer ont murmuré. Mais Dieu dit à Moïse, tends ta verge et pas la mer. Fends-la. Amen. Devant une situation, tu dois parler en tant qu'enfant de Dieu. Ordonne que les choses arriveront. Amen. Parle. Dès que tu commences à parler, le miracle s'installe. Tu m'as compris? Ils ont programmé, mais toi tu as le pouvoir de programmation. Il dit tu vas mourir, mais toi tu dis je ne mourrai pas. Je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Amen. Et ils sont plus forts que Dieu. La Bible dit, Saül craignait la présence de l'Éternel et David parce qu'il savait que l'Éternel s'était retiré de lui, qu'il était avec David. Lisez la parole de Dieu. Il craignait la présence de David. Il craignait la présence d'un loin de Dieu. Il craignait la présence de celui avec qui tu étais. Dieu est avec toi. Le sorcier doit avoir peur de toi. Amen. Il doit avoir peur de vous. C'est ça qui compte. On va vous prendre tout à l'heure. Une fois qu'une parole soit prononcée sur vous, parce que la Bible déclare que ne touchez pas mes coins. Désormais, la frayeur a changé les camps. Dès qu'il commence à critiquer, ça revient de prendre. Il perd raison. Dès qu'il commence à piper ton âme, c'est fini. Il perd sa fréquence de réseau. Tout ça, c'est pour rien. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. L'Éternel est ton berger. Tu es la brebis du Seigneur. Tu ne dois pas te manger par un sac sorcier. Il a envie de fêter. Il n'a qu'à aller chez vous, aller acheter la viande. C'est moins cher. Il n'a qu'à manger. Mais toi, il ne te mangera pas. Amen. Vous allez entrer en possession de votre miracle. Tu rentreras en possession de ton travail. Tu rentreras en possession de ton mariage. Tout dépend de ce que tu crois en Jésus-Christ. J'ai toujours dit, si Jésus ne faisait pas des miracles, moi, Crasso, je ne deviens pas chrétien. Amen. Je le suis parce qu'il m'a fait des miracles. Amen. Je ne suis pas venu à l'église parce que je voulais aller au ciel. J'ai toujours dit aux gens, ce n'est pas que du ciel que je suis venu à l'église. C'est quand elle a fait un miracle, j'ai dit, hein, tout ce que tu dis maintenant, je crois. Sorcier qui veut manger, vous voulez qu'il n'y ait pas au ciel, comme ça, si tu mets, tu vas au paradis, je dis moi. Dans voir les sorciers au paradis. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non. La vie là, c'est intéressant. Comment sorcier va manger? Puis Jésus-Christ s'est révélé à moi. Frère, Jésus fait des miracles. Amen. Jésus fait des miracles. Amen. Il fera ton miracle. Amen. Il fera ton miracle. Amen. Ta délivrance aujourd'hui, c'est pas demain. Tu sortiras de cette salle délivrée. Amen. N'ayez plus peur des démons. N'ayez plus peur des démons. N'ayez plus peur de la sorcellerie. Il ne faut pas que ça vous effraie. Non. Si tu n'exerces pas ton autorité, et c'est ça. Si vous sentez que l'atmosphère est bizarre dans la maison, priez. Amen. Et, moi comme ça. Oui, toi comme ça. C'est de toi. Toi comme ça.
tu n'es plus comme la personne avant. C'est toi. C'est toi comme ça. C'est de toi comme ça. Dieu veut utiliser toi comme ça. Amen. Oui, toi comme ça. Je suis le médecin, je suis venu pour les malades. C'est de toi. Dieu n'est pas béni pour les justes, il est béni pour les pécheurs. Amen. J'ai cru en lui, c'est fini. Il fera de toi un homme fort et puissant. Amen. Il vient en aide au fer. Tu es fer, ok? Il te vient en appui, il te donne l'onction pour dominer. Amen. Il a créé l'homme pour que l'homme domine. Amen. Sur son environnement. Amen. Tu dois dominer sur toute chose. Amen. Pourquoi c'est les esprits qui te dominent? Amen. Pourquoi c'est la pauvreté qui te domine? Amen. Pourquoi il dit dominer sur toute chose? Dominer sur toute chose, la pauvreté. C'est pour ça que vous devez prier. Quand vous priez, vous dites au Seigneur, non, 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 tu m'as demandé de dominer sur la pauvreté. Donc, je domine sur la pauvreté. Amen.